1. Nous vous présentons une conférence sur les guépards. Les guépards sont en voie de disparition. Nous devons les sauver. Nous parlons aujourd'hui des guépards car ils sont en grand danger d'extinction. Les guépards étaient 100 000 il y a un siècle et sont aujourd'hui moins de 10 000, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 90% de leur population en quelques dizaines d'années. Le guépard est plus petit que le lion. Un lion peut peser jusqu'à 250 kg, alors qu'un guépard mâle pèse au maximum 70 kg. Sur cette image, on voit que la tête de l'homme est plus petite que celle du lion, alors qu'elle est plus grosse que celle du guépard. Le guépard a un caractère très doux et peu agressif. Les autres causes de la disparition des guépards. Le guépard rencontre aussi des difficultés avec d'autres fauves, en particulier avec le lion. De nos jours, les animaux sauvages vivent dans des réserves, là où les hommes leur laissent de la place. Avec les épineux, ils fabriquent des bûchettes qui sont un très bon combustible écologique. Cette action a créé de nombreux emplois. Laurie Marker et son action pour les guépards. Laurie Marker est une zoologiste américaine qui est passionnée par les guépards. Elle a consacré sa thèse de doctorat aux guépards. On la voit ici avec son guépard préféré, Chewbacca. Voici Tiger Lily. Elle fait partie de l'espèce la plus rapide sur Terre. Le Cheetah Conservation Fund, le CCF, est basé en Namibie, pays où il reste la plus grande population de guépards dans le monde. Le Centre international de recherche et d'éducation du CCF est ouvert toute l'année au public et permet aux visiteurs du monde entier de venir regarder les guépards les yeux dans les yeux. Le retour à la vie sauvage est très écouté, long, mais surtout coûteux. Il faut réfléchir à un lieu où le guépard pourra survivre, trouver de quoi boire, de quoi manger et il était tout fort pour le manger. Alors, vous savez que toute l'année, on a organisé des ventes de gâteaux qui ont bien marché. C'est parce que vous êtes très gourmands. Mais c'était le bénéfice d'un petit guépard qu'on va parrainer et qui se trouve au CCF. On a récolté 350 euros qui vont partir au CCF pour parrainer un guépard orphelin. Donc, nous vous remercions d'avoir mangé beaucoup de gâteaux. Continuez d'être bon. Merci aux pâtissiers. Là, il y a Lilian Caillet qui a fait énormément de gâteaux. On peut l'applaudir. C'est un excellent pâtissier. Back to New Orleans, back when you dated that drama queen.